Yo les amis, alors voilà, je suis accompagné de Joe. One Creed, il est allé faire un petit tour vite fait d'abord. Et en fait, on a fait le fort de Urich avec One Creed. Et là, en fait, on est sur un autre fort qui est situé 10 km de l'autre. Il s'appelle le fort de Ulrich Foch, c'est ça? C'est ça. Voilà, on va aller découvrir ça avec vous. C'est la première fois qu'on vient là, on l'a jamais fait. Et voilà, ça va être cool. Bonjour, bonsoir. Bonjour les gars. Allez, on y va. Goku. Moi je suis sans Goku. Oh putain les feuilles ils m'ont fait peur. On est quoi? Donc on s'aventure vraiment vraiment vers le fond. Là on a traversé une bonne petite partie des ronces. Il nous reste quoi comme surprise encore? Plein. Là c'est là où on tombe sur des... Regarde les fenêtres. Les fenêtres là-bas elles sont ouvertes. Ah. De gauche. Ouais. Donc là. On peut pas sauter, t'es malade, j'ai pas envie de mourir. Ou pas, vous voyez des fenêtres qui sont ouvertes. Revoilà, alors là on arrive pas loin de l'entrée. On est tombé sur ça. Et l'entrée, elle est juste là-bas. Je sais pas si on la voit. Bon, on va arriver. Bon, là on est reparti, on est encore dans la broussaille. Et on va essayer de trouver une entrée facile parce que là il y a des fenêtres, mais je sais pas si tu veux faire tout le tour, c'est impossible. Si, par là-bas, c'est énorme. Imagine faire tout le tour comme ça. Sinon, ouais, faut passer par là, mais c'est haut quoi. C'est ça. Donc voilà, donc on a un peu plus avancé. Alors, il y a une entrée ou pas? À droite. Non, attends, je vais faire tout le long. Vous allez me suivre. Ouais. Bon, moi, je vais grimper. Hein. Aussi. Hein. Vas-y. Donc voilà, là, on est arrivé devant l'entrée principale du fort, devant la grande porte. On a bien galéré avec ce mongol. Et du coup, refais, ça, c'est pour moi. Non, je laisse. Ah, okay, bon courage. Va. Bon courage, enfoiré, c'est bon, je kiffe. Donc non, là on va aller visiter ça. Ah ouais, il y avait des dates, on a tout de suite repéré des dates. Style, celle-là elle est pas mal. 65, 66, il y avait laquelle? Celle-là là. Bon, elle est un peu effacée, mais le dernier chiffre qu'on arrive à voir c'est 18. Donc 1918, c'est la 9. Allez, bon. On a un blason. Où ça? Ici on a un blason. Allez, ici on a un blason. Et il y a des gens. Passez pas où par là? Ça prendra toi, tu passes par là, toi tu contournes là et tu passes par là. Ouais, bon, on va faire ça en premier. Il y a plusieurs endroits où on s'aventure dedans, on peut le voir, c'est un peu crado. Donc voilà, là, on rentre tout de suite directement dans le premier bunker, enfin, premier tunnel, première entrée. Tu viens avec? Ouais. Donc voilà, là on commence à entrer dedans. Alors moi je mets ma capuche. C'est vraiment crade. C'est vraiment crade. Putain, c'est quoi ces galeries, gros? Je sais
Okay. Donc voilà, donc assiette, Bondi et Joe, on s'aventure vraiment au fin fond. Wow. Donc voilà. Là, ça pue. Là, ça pue le cramé. Ça pue du café, un peu. Ouais. Ah, bah ça arrive une beurre là-bas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment serré à la mode. Collé, serré. Il y a des salles entre les deux trucs. Là, c'est vraiment stylé à visiter. Ouais, il y a des salles entre les deux trucs. Voilà. Les gens, ils se font délicieux. Abri A. Ah ben voilà. C'est un abri en fait ici. Ouais. Nous sommes dans un abri. Donc voilà, donc comme il y a du brandy, on est dans un abri. Hein. On va aller voir. Ouais. Donc voilà. On peut pas en s'aventurer un peu plus profond ou quoi. Je vois ce qui peut se cacher dedans. Ça a bien cramé. Je vais électriciser les débats encore. Après, il doit y avoir des charcots qui vivent ici. Je sais pas. Mais... Donc voilà, on vient d'en sortir de l'autre, de l'abri A, et là on est passé juste à côté, et on va faire le reste. On est sorti de juste là en fait, ça continue comme ça, et on est sorti, enfin, bref, on va faire la suite. On prend ma Porsche. C'est quoi ça? C'est qu'il y a, ils ont tout brûlé, il y a tout qui a brûlé. Ça en bois. Ouais, il y a du plancher carrément. C'est du bois. C'est mou. Ça résonne. Ouais, c'est. Là, c'était un lieu de vie où les, sûrement les soldats vivaient. Ouais, ça doit être ça. Parce qu'il y a l'abri juste de l'autre côté. Et il y a un trou pour passer. Et il y a un trou pour passer. En fait, si vous voulez, juste ici, là, on est dans l'abri. Donc, ouais. Ce qu'on vient de visiter juste avant. C'est un accès, en fait. Ouais, donc ouais, à mon avis, c'était une pièce à vivre pour que maintenant, s'il y a des bombardements ou des trucs comme ça, ils avaient juste à se filer là-dedans. C'est dommage, hein. Ouais, c'est dommage que, franchement, les gens salissent comme ça. Andy et ses amis. Vas-y, vas-y, on avance, on va voir. Info. C'est quoi? C'est une pièce. C'est où ils se mettaient pour tirer. Ouais. Ouais, celle-là, c'est... Donc là, on va aller directement... Là, on va aller directement dans... La galerie principale, dans l'entrée principale, se faufiler dedans. Comme vous pouvez voir, c'est énorme. C'est immense. Et là, on vient de visiter ça. Ouais, c'est énorme.
On passe par où? Tout droit? Alors, comme t'as dit, c'est parti là. Tu vas aller où? Attends voir. Allez. Après, comme ça, bam. Ouais, c'est ce qu'on voulait faire avec Quentin. Qu'est-ce que je dis l'allée centrale avec Brandy et Joe. Donc, vraiment, je tiens sur ça. Vraiment. C'est immense. Et aussi la propreté. Vous voyez, parce que c'est vraiment tout ce qui nous reste de l'époque, du Moyen-Âge. Et c'est vraiment dommage de prendre des tas de fois. Mais c'est là. Des déchets. C'est dommage, en plus de ça, ça pollue. Et ça, c'est vraiment pas bon. Bon, là, on est devant l'entrée principale, voilà. En sachant que les animaux sont propres. On va rentrer dedans. Et voilà, c'est vraiment ça. Donc faites vraiment un effort. Et on continue cette exploration. Allez, à tous. Donc voilà, là on est dans la galerie principale. On va aller visiter ça. Let's go. Par contre, on va tout de suite dans celle-là, appelez juste là, à gauche. C'est quoi ça? Je sais pas. On commence par gauche. On commence par là à droite. Ouais, une porte là-bas. Vous sentez cette odeur? De poudre. De poudre, tu sais. C'est un c'est un truc pour l'électricité. Un transformateur. Bref. Et en fait, on arrive dans les trucs en bas où tu m'as dit là, on passe par là. Elle est tout près de la porte. Ouais, elle est épaisse. Hein. Elle est vraiment. Ouais, elle est épaisse. Oh, c'est quoi ici? Oh, regarde, à gauche. Un chauffe-eau, je sais pas. Oh, la cuisine, les gars. Tu crois que c'est la cuisine, ça? Mais oui. Quoi, c'est une hotte, ça? Je crois. Mais oui. Putain. C'est quoi les plans qu'il y a là? Tu vois? Ça, c'est récent. Bon, 20 degrés. Je vais vous montrer. Comme dit, c'est un port qui a été déjà là à partir de 1782. Non, 1870. Ouais, 70. Ouais, 1870. Ouais. Donc 1870. C'est cool. Là, c'est
Si vous avez suivi les vidéos, il n'y a rien, à cause de la résonance. Ouais. Donc, du coup, quand vous avez suivi. Vous vous rappelez de. Dix fois plus vite. Sorti, ils disent là. On y va ? Bah ouais, on va voir. Sinon, on va faire une idée. J'ai eu un conducteur. C'est beaucoup plus gros que. Ah ouais, le formule, c'est chaud. Bon, après, il est aussi beau le formule. Ouais. Tu l'as, il est. Oh les gars ! Oh, on est sur du plancher. C'est du béton. C'est du béton, oui. T'as entendu ? Non, restez là. Venez, on va voir. Fait sûr de où on pourra aller. Ok. Donc là, on va sur le pas. On va le poser. Par contre, tout est en bois. Hein. Ah, tout est en bois. Double WC. Oh, il y a WC, les gars. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Il n'a pas une porte. T'as vu ? Ouais, ouais. Ah, là, c'était pour mettre les mains, là, je pense. Ouais, des lavabos ou des. Ouais. Ah, pour chier. Des chiottes aussi, ça peut être, je pense. Ah, c'est pour des chiottes. Par là. Ne te retourne pas. On y va ? Je sais pas. Allez, arrête de refaire mes tours. Non, c'est. Chut, Caminos. Attends. Quoi ? Mais. Moi, je suis comme ça. Mais on va pas marcher à trois, soit il y en a qui marchent derrière et devant. Oh.
105. 105, je pense. Ça pourrait être limite un nord. Ok. Ok, franchement. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Chelou. Il y a un truc après par là-bas. Je sais pas ce qu'il y avait. Des mitrailleuses. Mais... Il y a rien. C'est une pièce. Et là à droite. Faut les jetons. Hein. Ouais. Il y a écrit quoi là? Magasin. Il y avait écrit deux trucs. Magasin, je sais pas quoi. Et par après, ils ont mis ça. Là-bas, c'est la sortie. Oh, on peut descendre par là. C'est où ça? C'est où ça? Bah attends, on va monter un truc avant. Ouais. Et là, on doit redescendre par là, mais ça, c'est une autre galerie. Attends, je suis là. Il y a de l'air. On continue. Ah, sortie. Et encore une. En sortant, on trouve une autre entrée encore. Et voilà, il y a le décor. Hey, le bâtiment, il est là-bas aussi. Et là-bas, il y a encore un autre bâtiment. C'est énorme. On voit juste le bout de béton. C'est énorme, c'est un truc de ouf. Pourquoi tu parles là-dedans? Ouais, on continue. Quand vous pouvez le voir, c'est vraiment immense. Et c'est bien grand. Là, il y a la lumière. Ouais, il y a la lumière. Donc, c'est soit on descend, soit on continue là-bas. On descend? Ah, vas-y. Il y a de la lumière. Fraîche. À fond. Vous avez entendu ce boum 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 boum? Je suis pas le seul à avoir entendu ça. Une tortue. Non, une grenade. Ah, c'est une fausse. Ouais, il y a un mec qui prend l'arsenal. Gauche, droite. Chut, chut. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ouais, c'est ça. Ça fait le zoom. Mais ne vous perdez pas là-dedans. C'est la sorte de déjà, non? Non. Non. C'est pareil que le trou. Mais si. Mais si. Qu'est-ce que tu dis? Mais les gars, frère.
On est où là? On n'est pas passé par là. Non, on n'est pas passé par là. Hein? On n'est pas passé par là. Non. On est où là? Il y a une autre porte là-bas, on va de quel côté? Oh les gars, faut pas se perdre. Je vous le dis d'avance. Parce qu'on fait que tourner à droite, à gauche, on va. Je sais pas en fait un chemin ça. C'est des escaliers. Donc là en haut pour remonter. C'est toi qui m'as touché là? Ouais. Ben là c'est on retombe sur où on était avant. Sorti. Là. Là on n'est pas passé. Mais si on y est allé. Si, là il y a. Oui, là on vient ici, mais ici on est sorti. Mais si on est allé juste un peu. Oui. Si, même là il y a une prise, il l'a dit tout de suite, c'est une prise neuve. Voilà. Donc Non, je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est pour ça que je voulais monter. C'est quoi ce qu'il y a là-bas? On va voir après. Couleur ou ouais. Ça c'est une couleur ça. C'est pour monter en haut. Bon, on va monter par là après. Générate. MT Germac. Je sais pas, ils ont mis des trucs des gens. Ouais. En fait, on refait la même chose qu'il y a là-bas. Monte. Tu veux faire le couloir qui est à côté. Oh, le bâtard, il m'a fait peur. Bon, on monte. Mais non, on va à l'autre côté du couloir. Il y a encore un autre couloir à côté. Mais on monte. Et on fait l'euro. Bah, c'est pas intéressant, ça. Quoi? En bas, c'est parfait. Si, laissez d'âme. Qu'est-ce qu'il y a écrit 30 euros là? Total. 15 euros la pipe. Elle vous attend. N'importe quoi. Comme j'aime pas me retourner pour rien. Et là on a reçu la dame. Ouais. C'est quoi cette poutre? Donc là les amis, on est remonté en haut. On a fait tout le bas. Et là on va être remonté. Même coup de frontal là-bas. Mais mets un coup de frontal là-bas. Vas-y, explique un peu. Où est-ce qu'on est? Alors, attends. Donc, salut les amis. L'image n'est pas trop nette. Voilà, c'était à cause des flashs. Donc, voilà, donc salut les amis. Donc, là, on a beaucoup avancé. On a un peu fait l'exploration pour la prochaine partie parce qu'on va faire plusieurs parties.
En plusieurs parties, excusez-moi, parce que le fort, il est vraiment immense, vraiment plus grand que le fort Urich, donc auparavant déjà sur la chaîne YouTube de Brandy et de moi-même. Donc voilà, donc là ici, on va monter des escaliers pour continuer l'expédition donc, du fort du côté droite, donc de là ici on est entré. Et donc là, on vous laisse place à l'exploration avec nous. Allez, à tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, on monte. C'est abusé, tout ça. Comme ça. Tonnerre. Oh, c'est une chaleur. Chaleur. Vous savez où on va? Oui, il y a des araignées par terre. Et les gars, on peut pas. Ah oui, d'accord. Donc on peut monter pour redescendre. Oh cousin. Quoi? Ça descend et ça redescend. Oui, mais c'est exactement pareil que là. C'est pareil. Ah oui, bien. C'est bon. Je suis bête. En fait, ça nous fait arriver en haut du bunker. Sauf qu'il y a des pièces de l'autre côté. Et les escaliers que je voulais prendre, c'était ceux-là. Ouais. C'est quoi ça? C'est en métal, ça. C'est en métal. Ah, mon dieu. Bon, allez, viens. Il faut que je recule. Il n'y a rien du tout en haut, en fait. Ouais. Donc, par contre, ils étaient petits, les soldats. Ouais, ils étaient petits à l'époque. Parce que, un, presque je touche le plafond. Moi. Donc, des escaliers de l'art, il n'y a rien du tout, ça nous fait monter. Et en fait, il y a d'autres escaliers pour, en fait, pour ramener tout en haut du corps. Donc, là, en fait, on est descendu. Là, du coup, on a monté les autres escaliers. De base, on voulait le faire pour l'autre partie. Mais du coup, on n'a pas fait exprès, du coup, on va prendre ces escaliers et monter pour avoir ce qu'on espère pour la suite. Donc voilà. Donc, j'espère, par de tout cœur, que le message va passer, du coup, pour justement la propreté des lieux. Allez, on laisse place à la suite de l'exploration. Allez, salut. Il y a grave beaucoup, il y a trop de sorties et d'entrées partout. C'est vraiment qui vous. Et je vous promets que franchement, on va tout faire au mieux. Bon. Attends, pour que tu parles là. Ouais, comme les escaliers, vous avez parlé. Encore des galeries. Wow. Ah, galerie là, on y va tout de suite. Ah oui, une galerie cachée. Attends, elle est déjà là. Ah bah oui. Ah bah oui. Le côté aussi, on était là. Ça se rejoint tous. Par là-bas. Franchement, c'est un peu plus. 20 minutes. C'est un putain de débat. C'est un putain de débat. Ça fait un peu de soleil. Wesh. H1. Oh, trop stylé. Voilà. Ah. Je sais pas si qui a fait ça, mais... Ouais. Quelqu'un. C'est stylé. Il y avait ça. Des membres d'ici. Ici, là, il y a un genre de soleil. Bon les gars, on arrive dans une sortie. What the fuck, mais on est où gros? On est où? Wesh, on est où?
Non, vraiment, c'est un truc de ouf. On n'arrête pas de rentrer, de sortir, rentrer partout. Je ne comprends plus rien. De quoi ? Et reste, pourquoi c'est de là alors ? Bah on a vu ça, non ? En dessous, là. Putain. Je sais pas si on a vu tout ça, mec. Regarde tout ce qu'il y a à faire. C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas si vous en rendez compte, mais là, ça va faire au moins 3 heures. On est dans les galeries, 2-3 heures. Et ça fait que de rentrer, sortir, rentrer partout. On devient fou, là. Tu rentres pas du tout. C'est fermé de quelque part à l'intérieur. Ouais. Mais tombe encore sur un autre truc, mon vieux. Et il y a un putain de passage. Bon, on va voir par là. Tu fais une pause boisson ? Ouais. Avant de y rentrer ? Tu veux faire une petite pause boisson avant d'entrer ? Ouais, frérot, j'ai faim. Ouais, parce que ça redescend. Pour vous expliquer que c'est énorme, il y a encore une autre entrée là-bas. Une là-bas. Et juste là où je suis, en dessous, il y a encore. Vers là, une entrée. C'est énorme. C'est ouf. Là, je vais faire un petit tour tout seul. Les autres, ils font une petite pause boisson. Ils ont soif. Et moi, je vais explorer tout seul. En attendant. Voir sur quoi on peut tomber. Là-bas, il y a encore un autre truc. C'est juste. C'est abusé. Je vais aller avec les autres, mais c'est abusé.